Okay, the provision de voir le coordinates part 1, là dedans nous focus le coordinates of a point. Qui ça veut dire un point sur coordinates? Right. Okay. C'est pas demandé toi qui était sa position un point. Un point, je tout comprends que était ça un point. Un point ou c'est un gros point. C'est pas demandé toi qui était sa position un point. Qui te comprend pas ça? Okay. Right. C'est pas position, c'est pas qui position te correct ou pas correct, pas sa position là qui m'a peut causer. Ce sera être situé, right, sur place que tu étais. Ça, c'est position un point. Et par exemple, un map, tu peux dire que pour lui, sur position, il était. Right, c'est pas lié un pays dans Northwest. Ok, ça, c'est position un point qui m'a demandé toi. Right, allez, dans un écran, je peux trouver dans l'écran. En fait, moi, ça, c'est l'écran de télévision. Il y a un petit point noir que vous pouvez trouver ici. Là. Ça, c'est point A. Je demande toi, what is the position of point A? Ok. Rappelle bien que position un point est relative to some starting point, right? Que tu envie, ou envie, road position un point relative to where, right? Il y a besoin relative depuis sa point ici là, depuis sa point là. Ici, tu peux demander position point A ou depuis sa point là, depuis que ça, depuis au milieu, que sa point A été. Est-ce que point A est au milieu, l'écran là, il est à droite, il est à gauche, il est là-haut, que tu es exactement. Mais on veut que position exacte sa point A là. Ok? Right? Si nous prenons lui, position point A relative to this corner, get ça. Sa top left corner là. Si je prends les relative to this corner, mon vie connaît sa point A là, sa position qui était relative to this corner. Ok, get, nous capables de dire en termes distance. Ok, nous capables de prendre la règle, nous dire ben, depuis sa point ici là, depuis sa point ici là. Ok, dans nous la règle, tu trouves une besoin de 90 mm. Et que nous avons besoin de vous en bas combien? Nous avons besoin de vous en bas 30 mm. Ok, right? Là, tu es capable de dire moi, mais, monsieur, mais position point A, from the top left corner, je trouve là, les besoins relatifs. Depuis quand ça, tu peux mesurer sur position? À partir de ça? From the top left corner, tu as besoin de move 90 mm to the right, à 90 mm à droite. Là, comment tu finis arrive là-bas? Là, descend 30 mm en bas. Là, tu finis gagner position point A, côté lié. Là, tu es capable de descendre sa point A là. Ok, je trouvais. Pour donner une position à un point, get qui compte longueur phrase pour vous amener. Mais pour besoin de dire from top left corner, c'est un dimanche, j'ai tenu move 90 mm to the right, then 30 mm down. Il a démarré depuis là. Il n'y a pas besoin de code pour démarrer. Ou 90 mm to the right. Il a demandé de code ça pour démarrer. Et là, il a move 90 mm to the right, then 30 mm down. Ça, c'est position à un point. Mais il est trop long. Pour te dire, ma position à un point, il est trop long. Il y a une technique qui nous peut servir. Pour te dire, ma position à un point un peu plus facile de placer une longue, longue phrase comme ça. Vous connaissez, dans la mathématique, nous, c'est simplifier nous la vie. Right? Parce que la position à un point est bien pour autant. Par exemple, on a une map. On a une map où vous avez une position Maurice que tu étais. Right? C'est pas position cyclone que tu étais. C'est pas où on a fait ça sur trésor. Puis on veut une position trésor que tu étais. Tout ça va nous appeler important. Mais position à un point est bien pour autant. Mais façon que vous le mettez en rouge, c'est un peu trop long pour te describe position of a point. Alors, pour dresser ce problème-là, il y a une solution qui nous servit, mathematical solution. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous appelons ça, nous pour servir un cartesian plane, ou soit un XY plane. Soit on appelle ça un cartesian plane, soit un cartesian system. Ok, right? Ok, qu'est-ce que c'est un plane? Rappelle bien, plane veut dire avion. Mais dans mathématiques, plane veut dire un flat surface, une surface flat. Ok, une surface flat, comment où l'écran il y a une surface flat, ça on appelle ça un plane. À cette cartesian plane, soit XY plane, ok, comment les rester? L'existe prend sa surface flat là, qui te fait te mettre un petit casier là, un petit quadrillé, comme on a dit, nous cahier quadrillé, nous cahier graphe, ok, nous divisons un petit equal grid, ok, j'ai trouvé ça grid qui nous dit ce ça, là nous mettons un x-axis, un horizontal axis, nous mettons ce scale au lit, qui est origine au milieu, au bout d'un, deux, trois, quatre, après à combien de number line à gauche type moins 5, moins 2, moins 3, moins 4. Là, nous mettons un vertical axis qui peut passer l'origine, il vient combien la croix. Là, dans ce, nous mettons un scale. On appelle ça un cartesian plane, nous sommes un XY plane. L'idée, c'est la surface blanche la même. Mais dès que nous mettons un grid, nous mettons un axis, nous mettons une division, nous mettons un grid. Et là, nous mettons un scale. Là, on appelle ça un cartesian, nous sommes un XY plane. Ok, surface, ça devient un cartesian plane, nous sommes un XY plane. À ce stade là-dedans, si je me donne un point A, get là, là moi demande de ma position ça point A là, get dans l'écran là. Vous trouvez la ligne surface, il y a une flat surface, vous pouvez trouver là get tout l'écran, l'écran blanc.
ral get point à côté t c'est me demande ta position sa point là OK comment nous pourrions position sa point là get qui nous pour besoin faire si nous mettons dans cartesian plane comme ça ça veut dire ça même sa surface blanc là get point dessiner dans grid comme ça là il facile pour lire point là comment on habitue lire ça nous prend les relative to the origin rappelle bien que nous cause coordinate sur sa position n point A right là quand nous dessinons dans le cartesian plane nous faire relative to the origin tout le temps nous démarrer comme ça point O là OK là nous bouger mais là où guetter comment vous besoin bouger dans x axis et y axis dans x axis à droite vous besoin bouger deux pas et là comment on finit bouger deux pas à droite là où vous besoin bouger un pas là haut exemple encore rappelle comment nous lier position n point nous créer comme ça position of point A nous créer comme ça 2n dans bracket virgule au milieu combien on bouger dans x axis et combien on bouger dans y axis pour venir comme ça point A là OK ça on appelle ça coordinates of point A right ça système qui nous lie position ça point A là right depuis origin combien nous bouger ça x coordinate ici y coordinate on appelle ça coordinates of point A vous vous trouvez qui coordinates il y a plural OK parce que tu besoin directement des valeurs tu besoin directement combien besoin bouger dans x axis et combien besoin bouger dans y axis OK à cause on a des valeurs pour lire on appelle ça coordinates sa première valeur là on appelle ça sur x coordinate deuxième valeur là sur y coordinate en total quand tu demandes tous les deux comme ça dans bracket on appelle ça coordinates of point A OK right ça veut dire qu'est-ce que ça coordinates of a point nous capable de donner une petite définition coordinates of a point c'est position un point OK position un point depuis côté ça relative to an origin nous pour démarrer depuis origin OK in a cartesian coordinate system ou soit cartesian plane ou xy plane mais déjà quand tu prends ton xy plane comment nous faire du petit grid la position ça point là depuis origin on appelle ça coordinates of the point et que nous créer dans format là il reste comme ça OK get bien nous pour mettre une bracket pour une virgule pour une valeur à gauche qui nous appelle ça x coordinate of the point après pour une valeur à droite on appelle ça y coordinate of the point OK là quand nous prenons le total comme ça on appelle ça coordinates of the point OK rappelle bien x coordinate là ça valait là qui était ça c'est combien on peut bouger to the right or to the left depuis origin OK si là next sa deuxième valeur là on appelle ça y coordinate of the point ça c'est combien on peut bouger up or down depuis origin OK right ça veut dire rappelle bien si vous bougez to the right on peut dire positive si vous bougez to the left il négative et là bas the y coordinate si vous bougez up il positive si vous bougez down il négative OK, allez nous prendre des exemples. Ça c'est des voies que vous gagnez. Exercice N, j'ai write down the coordinates of each of the following points. Depuis formule, faire ça, là où de forme 4, vous supposez une finie comprendre ça. Allez, gardez un point A ici, puis on met comme point A sur coordinates. Nous pouvons faire point A sur coordinates, suivez-le. Point A sur coordinates, ce qui dit pour être. D'abord, on prend depuis origin. Vous gardez combien vous avez besoin de left ou right. On trouve par le code point A, vous avez besoin de bouger N. 2. 2 pas to the right. Et là, next, ce qui m'a fait, N, 2, 3. 4 pas là haut. On bouge 2 pas to the right et 4 pas là haut. Ça c'est point A sur coordinates. Next, nous prenons point B sur coordinates. Point B sur coordinates qui pourrait être point B ici. Tu pourrais marquer pour bouge pour le code point B qui nous pouvons en faire. Nous pouvons en bouge depuis origin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pas to the right. Alors, il faut positif. Et là, next, nous bouge N, 2, 3, nous bouge 3 pas là-haut. Vous êtes supposé qu'on prend coordinates, hein? Je vous dis, ah, monsieur, mais l'année dernière, 25 étudiants prennent leçon au moins l'année dernière, nous désinfectons ça des voies là, mais il est extra important coordinates. Parce que le chapitre coordinates, là, nous pouvons apprendre encore de nouveaux affaires. Et qu'on a beaucoup de chapitres qui relèvent dans coordinates, alors nous pouvons maîtriser ça bien, et là, nous pouvons pas faire ça dans notre chapitre là. Next, nous prenons pour point C. Allez, route point C, nous tous ensemble. Depuis origine, vous trouvez qui point C qui est à gauche là-haut. Mais nous avons besoin de moins 5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. De X, nous avons besoin de moins 8. De Y, nous avons besoin de 2 pas là-haut. Alors, nous avons 2 positives. Next, nous prenons point D. Point D sur coordinates. Nous identifions que point D était que point D ici. Nous trouvons depuis origine, nous avons besoin de moins 1, moins 2. Nous avons besoin de 2 pas à gauche. Là, next, nous avons N, D, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 pas là-haut. Alors, il faut positif. Next, nous prenons point E. Point E, côté T. Allez, nous tout demandons coup de main à point E, qui est point E ici. Ça, c'est point E. Next, par le point E, depuis origin, nous pouvons trouver au besoin de bouse. Moins 8.
Et ou pour besoin al 3 pas en bas. 1, 2, 3. Mais j'allais pour bien moins 3. Ça c'est point E sur coordinates. Next, on arrive point F sur coordinates. Get point F ici. Vous pouvez remarquer depuis origine, nous avons moins 5, moins 2, moins 3, moins 4. C'est point F sur coordinates. X value, X coordinate est moins 4. Là où vous n pas en bas, veut dire Y coordinate pour moins 5. Next, nous prenons point G sur coordinates. Get point G ici. Au début, on dit que nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons 4 pas à droite. Et bien, X value, vous à gauche ou soit à droite avant, là, vous là-haut en bas. Okay. Là, vous remarquez que quand vous arrivez là, on va vous descendre des pas en bas. Alors, vous pouvez moins 2. Ça, c'est sur Y coordinate. Next, on a encore point H. Get point H ici. Point H, on peut trouver, vous pouvez vous 8 pas à droite. Depuis origine, là, vous avez 1, 2, 3, 4. 4 pas en bas. Ça, c'est point H. H, I, donc get point I, get point I ici, vous allez tous suivre ça pour tout à bien. Get point I, vous trouvez ici, ça c'est point I sur coordinates. Vous trouvez depuis origin, vous pouvez vous mettre par droite. Next, à cette Y value, pas besoin de vous dire tout, une fin avec le point I, ça veut dire que Y est besoin de vous 0. Elle va besoin de vous dire tout. Next, point G sur coordinates, point G côté, get point G, il existe là où origin. Pour arriver jusqu'à point J, vous trouvez depuis origine, ou pas nécessaire bouger du tout dans x-axis, n'est que dans y-axis ou bien bouge n. Déjà, x value, x coordinate pour 0, sur y coordinate pour n. Next point K, nous avons point K côté été, point K depuis ici. Vous trouvez le x-axis, déjà vous avez 7 pas à gauche, déjà depuis négatif 7. Et là, on finit arrive côté point K, dans y value, pas besoin bouger du tout. Ça c'est qui est sur coordinates. Next, nous prenons point L, get point L lié en bas ici. Ça c'est point L. De X axis, ou pas besoin de bouger du tout. De origin, depuis origin, veut dire 0. Mais ou besoin de bouger 5 par en bas, l'époque vient moins 5. Veut dire L sur coordinates, vient 0 moins 5. Est-ce qu'il y en a encore? Nous finissons couvert tout d'après vous? Oui, I, J, K, L, M, M, P, non, rien. Ok, bien, bon, ça c'est exercice 1. Next, exercice 2. Là, nous avons besoin de plot ben point. Là, il y a reverse process, comparé avec numéro 1. Right, là, nous faisons plot ben point là, et puis nous faisons ben point là sur coordinates, get A sur coordinates D6. Nous mettons point A en coup de l'écran là, ou ça dans nos cartesian plate. Depuis origine, nous faisons boost 2, 6, get pour arriver là. Ok, ça veut dire ça c'est point A sur coordinates. 2, 6. Next, point B sur coordinates, c'est 6, 0. Ici, 6, 0, ça c'est point B. Next, point C, moins 3, moins 4, get pour venir ici. Ça c'est point C sur coordinates, ou soit point C sur position. Next, on prend point D, il dit 5 moins 5. 5 moins 5, vous pouvez là. Ça c'est point D sur coordinates. Point E sur coordinates, moins 9, 0. Point E sur coordinates, moins 9, 0. Next, point F sur coordinates, 0, 4. Ça c'est point F sur coordinates. Next, point G sur coordinates, 0, moins 5. X value 0, Y value moins 5. Ça c'est point G sur coordinates. Next point H sur coordinates 0, 0. Je vais dire pour votre origine ou pas pour vous du tout. Ça c'est point H. Et dernier point I sur coordinates moins D6. Moins D6, dès pour venir ici. Ça c'est point I sur coordinates. Bien bon.